I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff and trying to. Léa. Allô tout le monde, bon Saint-Valentin. On se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez m'accompagner pour fêter la Saint-Valentin. Donc, comme je vous avais parlé sur la dernière vidéo, je ne vais pas faire quelque chose de fou, rien. On va juste acheter des petits trucs juste pour souligner la fête de l'amour. Même si les enfants, ils savent qu'on les aime beaucoup. Puis on leur dit à tous les jours, on a décidé de faire un petit quelque chose spécial que d'ailleurs on fait à chaque année. Donc, j'espère que vous allez m'accompagner pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous ramène avec moi, comme d'habitude. Voilà une de mes petites Valentines. Elle était en train de jouer avec du lipstick, mais c'est correct, on la laisse. Tu dis allô? Allô! Dis joyeux Saint-Valentin! Joyeux Saint-Valentin! Et voilà mon autre petite Valentine qui aussi était en train de jouer avec du lipstick comme sa grande sœur, parce que tout ce que sa grande sœur fait, elle aussi, elle l'a fait. Est-ce que tu dis allô? Allô? Est-ce que tu dis bye bye? Bye bye! Et je les ai habillées en rose parce que c'est la Saint-Valentin. Puis aussi parce que j'avais commandé des choses à H&M que j'ai jamais reçues. Donc on a mis des vêtements roses que j'avais déjà. Grosse fête pour H&M. Là, ça fait quasiment un mois que j'avais commandé. Puis j'ai toujours pas reçu. Je voulais juste vous montrer les petits manteaux que mamie leur a acheté. À quel point ils sont cute. Je suis de retour, donc je suis allée au Costco vite vite parce que l'autre jour, quand j'avais été faire mes courses, j'avais vu qu'il y avait un gâteau en forme de cœur, puis je me suis dit, oh, ça va être parfait pour la journée de la Saint-Valentin, puis tout ça. Et là, quand je suis allée, malheureusement, il n'y en restait plus. Donc, je suis allée au Maxi pour voir si je trouvais quelque chose. Je n'ai pas vraiment trouvé, mais j'ai pris ce gâteau-là, il est rouge, là, ça fait Saint-Valentin. Donc, j'ai pris ça. Puis au Costco, j'ai pris ça. Ça a l'air trop bon. Je ne l'ai jamais goûté. Ça dit risotto style espagnol. Puis ça vient comme avec de la saucisse, avec des crevettes puis tout ça. Mais je ne vais pas manger ça aujourd'hui. Ça on va le laisser pour une autre journée. Je suis allée au Dollarama. J'ai pris ça pour mettre sur les gâteaux. Comme ça va faire plus Saint-Valentin. J'ai pris des petites boîtes pour des surprises et que je vais faire pour les enfants, des petits cadeaux. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Puis, je n'ai pas pris grand-chose. Là, j'ai pris des légumes congelés. Ça, c'est super bon quand vous êtes pressé et vous voulez faire une sauce spaghetti. Et il y a l'essentiel. Là, il y a comme les carottes, les piments, et comment on appelle ça, du céleri, les oignons. Donc, ça, c'est vraiment bon. Puis, même pour les sauces. Puis ça coûte rien là, ça coûte 2$. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai jamais essayé ça. C'est la sauce pad thai parce que je veux me faire une sautée avec des crevettes et tout ça. Puis j'ai pris des légumes congelés aussi, style asiatique sauté. Puis j'ai pris aussi des légumes comme ça parce que ça, je veux le faire avec des poitrines de poulet. Puis comme une sauce rouge avec du riz, ça va être parce que là, c'est l'heure que les enfants, ils ont faim. Puis je vais commencer à faire mon souper, mais ça va pas être prêt maintenant. Donc, je vais leur faire ça à mes ados. Puis, j'ai pris des citrons. Puis, j'ai pris du jus. Rien d'intéressant. Puis là, je vais commencer à préparer notre souper, puis je vais vous filmer ça. Donc, si ça vous intéresse, restez, parce que c'est vraiment une recette super bonne. Là, c'est des,
comment on appelle ça, d'Alfredo, des pâtes Alfredo avec une sauce faite maison. Donc c'est pour ça vraiment que je suis allée au Maxi parce que il me fallait de la crème à cuisson et 35%. Donc sur ça, je vous montre ma recette puis les petites préparations que je vais faire. À tout de suite. Ok, on est prête pour commencer à faire à manger. Donc, vous allez avoir besoin du sel, du poivre, du beurre. Et pour la sauce, du fromage, de l'ail, mon poulet. Moi, j'ai pris des poitrines. Puis, c'est déjà mariné. Je l'ai mariné avec la moutarde de Dijon, de l'ail, sel, poivre, paprika. Puis, la crème à cuisson. On va avoir besoin d'un œuf. Puis, les pâtes. Puis, l'œuf, ça va être pour la sauce. Mais je vais vous expliquer ça maintenant quand je vais les préparer. Donc, on y va. Donc là, j'ai descendu le feu, puis on va la laisser épaissir, puis pendant ce temps-là, je vais faire les pâtes. Donc pendant que mes pâtes sont en train de cuire, je vais rajouter les jaunes d'œufs. Puis il ne faut pas oublier ça, parce que ça, ça va faire en sorte que la sauce, elle colle dans les pâtes, parce que sinon, ça va rester trop comme liquide, puis ça ne va pas coller. Donc avec l'œuf, ça va se coller aux pâtes. Nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong, I know it's good if I'm alone. Voilà, bon appétit. Beaucoup plus tard et les enfants font déjà dodo et surtout les petites filles, elles étaient vraiment fatiguées. C'était une belle journée, on a passé une belle journée ensemble en famille. Et après, j'ai pas filmé parce qu'on a joué à des jeux de société. Puis j'étais vraiment contente qu'on a pu faire une activité tous ensemble, les quatre enfants ensemble, mon mari et moi. Parce que comme vous le savez, nos enfants ils ont une grosse écart d'âge, puis c'est souvent difficile de trouver des activités qui vont plaire à tout le monde.
Donc, j'ai vraiment profité du petit moment qu'on a passé ensemble. Les soupers, ils étaient super bons. Les enfants, ils ont tout mangé. Puis après ça, on a mangé du gâteau, on a mangé les petits chocolats. Puis la soirée a fini de même. Donc, sur ça, je voulais vous remercier encore une fois de m'écouter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des likes si vous avez aimé la vidéo. Et sur ça, je vous dis bonne nuit, à la prochaine.